Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Les nouveaux éléments devraient être installés pour la première séance d'essai libre. Voici le rapport d'usine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la 14e manche de ce championnat 2016 de Formule 1. Direction aujourd'hui le temple de la vitesse Monza, présent depuis 1950 en Formule 1. On part tout de suite sous le soleil pour vivre eh bien, ce qu'il s'est passé pendant la séance d'essai libre, alors que l'on a reçu eh bien, les dernières nouvelles des améliorations techniques sur cette McLaren Honda. Bonjour, vous nous rejoignez à quelques minutes du départ des essais ici à Monza. Les équipes travaillent d'arrache-pied sur des réglages de dernière minute avant de sortir sur la piste. Les supporters de Ferrari sont arrivés en force aujourd'hui. On sait bien que les tifosi ont une véritable passion pour les écuries. Est-ce que les pilotes vont ressentir une pression supplémentaire avec les attentes du public? Ça dépendra des pilotes, mais cette véritable marée rouge dans les gradins devrait en encourager plus d'un. Et si l'un d'eux arrive à se positionner en tête de course, il sera accueilli par les cris et les applaudissements dans chaque virage jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon travail, on vise maintenant le violet. Tu obtiendras des points bonus si tu réussis plusieurs virages de suite. Allez, début des hostilités ici à Monza sous le soleil pour la journée du vendredi avec la découverte de cette piste. On commence avec un petit point sur ce qui s'est passé jusque-là. Après Spa-Francorchamps, évidemment, on se retrouve ici avec une voiture bien plus véloce et le moteur va pouvoir nous aider à nous en sortir. Et force est de constater que cette McLaren évolue bien et après un retour en force du côté de Spa avec le nouveau moteur, on s'attend vraiment à avoir quelque chose de tonitruant ici à Monza, l'un des derniers circuits de vitesse avant le Mexique et le Brésil notamment. On va voir ce que cela donne. Pour l'instant, la découverte du circuit se passe bien avec les pneus médium. On rappelle que pour ce week-end, il y aura donc les pneus médium, soft et super soft à disposition. On va voir ce que l'on peut faire. Pas de pluie annoncée non plus pour ce week-end, après un week-end de Spa qui nous aura tous bien détrempé les chaussettes. On arrive à la fin de ce deuxième secteur. On est du côté de la chicane d'Ascari avec un petit blocage de roue. La McLaren qui évolue donc bien et qui est bien plus simple à piloter que ce qu'elle n'était en début de saison. On a corrigé beaucoup de défauts avec notamment les évolutions moteurs qui désormais prodiguent bien plus de puissance et nous permettent de nous défendre en bout de ligne droite, ce qui est ici extrêmement important. On va voir également comment réagissent les voitures équipées du moteur Mercedes, le plus habile sur ce circuit de Monza, donc avec les Mercedes, les Williams. Mais malgré tout, les Ferrari ne devraient pas être en reste puisqu'on rappelle qu'elles sont premières en termes de développement. Et le résultat donc de cette première séance d'essai libre avec Kimi Raikkonen le plus rapide, les Ferrari sont en forme. Petit retrait par contre derrière des Williams que l'on attendait à meilleur fait du côté de chez McLaren. Grosse différence entre nous et Fernando Alonso qui se classe quand même dans le top 15. Deuxième séance d'essai libre, on est cette fois-ci sous les nuages pour effectuer le test de gestion de l'usure des pneumatiques. 7 tours à courir, je vous le rappelle, et besoin de battre un temps pivot qui est de 1.27.174 pour ce circuit de Monza, un des circuits les plus courts de la saison, le plus rapide également, même si la course devrait être longue. On s'attend à des problèmes de moteur pour certaines voitures, puisque eh bien, ça risque d'être compliqué de gérer certaines phases avec des moteurs qui ont parfois 2 voire 3 Grands Prix dans les pattes. On verra bien cela lors de la course de dimanche. Pour l'heure, eh bien, on continue d'évoluer sur cette piste de Monza, une piste qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, si ce n'est un point très important, la sortie de la dernière épingle, nommée Parabolica, la parabolique donc, qui désormais est une étendue de tarmac et non plus de gravier, ce qui va pousser peut-être certains pilotes à être plus qu'optimistes en sortie de ce virage pour gagner du temps au terme de la séance qualificative. Au terme de cette deuxième séance, vous le voyez, ça s'est plutôt bien passé, quelques petites secondes de perdu avec un blocage de roue dans la première chicane, le rectifilo qui a tout simplement obligé Stoffel Vandoorne à mettre une de ses tentatives dans le vert et non dans le mauve. Et vous voyez que ça se passe vraiment bien, même si on n'est pas loin du temps pivot avec, je rappelle, l'IA qui est en difficulté maître depuis quelques Grands Prix. Et on sort de la parabolique justement, vous avez vu, avec ce nouveau dégagement en tarmac. Voilà, c'est désormais terminé pour la deuxième séance d'essai libre. On va découvrir
ensemble le tableau des résultats avec, donc vous voyez, la confirmation de la bonne forme des Ferrari et surtout eh bien en super soft les Haas qui sont plutôt à leur affaire avec eh bien Esteban Gutiérrez 3e et Romain Grosjean 8e. Derrière par contre on a travaillé du côté des grosses équipes comme Red Bull, Mercedes et Williams qui sont donc un petit peu plus derrière. Samedi matin, ça y est, nous y sommes, la dernière séance avant la qualification, il y a de nouveau du soleil au-dessus de Monza et on va faire ensemble un petit tour pour découvrir vraiment cette piste de Monza. Le premier freinage, une chicane droite-gauche qui se passe en deuxième, voire en première selon votre boîte de vitesse, même si on ne peut plus vraiment l'étalonner. Un point très délicat en cas de départ en peloton, ce qui sera le cas ce dimanche. La Curva Grande, la grande courbe qui devrait disparaître dès 2018 pour des travaux qui devraient retravailler ce premier secteur. La première chicane ici. Vous rappelez-vous, en 2000, on a eu le malheur de perdre l'un des pompiers commissaires qui était sur le bord de piste après un immense carambolage impliquant notamment les Jordan, les Arrows et les Ferrari. C'était assez dramatique. Ici, en 2009, le Grand Prix de Lewis Hamilton s'était terminé à 4 tours dans la fin. Il était allé percuter le rail. Dans cette sortie du deuxième Lesmo ici, c'est en 81 que John Watson a eu un terrible accident également. La descente qui ramène vers la chicane Ascari. Chicane qui, pour les plus anciens, était bordée de 4 arbres ici, sur la partie droite, juste ici, voilà, qui était extrêmement dangereux. Si vous cherchez des archives dans les années 70, vous allez voir que, eh bien, notamment des caméras embarquées avec les Ligier de Jacques Lafitte, c'était assez technique. Une ligne droite qui ramène donc vers la dernière partie de ce circuit, de la parabolique. Et surtout, on vous en a pas encore parlé, mais il y aura des zones de DRS qui ici sont un peu futiles, voire inutiles, puisqu'elles n'apportent pas grand-chose, les voitures étant déjà réglées avec très peu d'ailerons à de base sur ce setup pour le circuit de Monza. Et on a objectif atteint du côté de chez McLaren avec les résultats de cette dernière séance d'essai libre, confirmant donc la bonne forme des Ferrari et des Toro Rosso. Il va donc falloir maintenant en découdre et pour cela, eh bien on va passer à la première séance qualificative. Les qualifications vont bientôt commencer ici sur le circuit de Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les équipes vont sortir sur la piste d'ici quelques minutes. Quand on cherche le chrono, on privilégie généralement les accélérations et pointes de vitesse. S'agit-il seulement de limiter l'appui aérodynamique au maximum et de négocier les virages avec soin pour foncer dans les lignes droites? La vitesse de pointe sera l'objectif principal de tous les pilotes ici. En supposant que leur monoplace soit capable de tenir la route sur le reste du circuit, ils pourront gagner du temps dans les lignes droites. Il sera difficile pour les véhicules les plus lents de trouver des occasions de dépasser leurs concurrents. Premier tour dans cette Q1 pour Stoffel Vandoorne, alors que pour l'instant c'est en 1.24.4 Daniel Ricciardo qui est le plus rapide. On vient de conclure un tour avec l'ami Vandoorne qui est pour l'instant deuxième devant Felipe Massa. L'attaque de ce premier virage, toujours très délicat, il fait chaud, on est en pneu super soft, ce qui sera le cas pour bon nombre de voitures de milieu de plateau et même devant. Peut-être que les Mercedes et les Ferrari vont tenter de se qualifier en soft, mais je pense que devant les très nombreux tifosi qui sont venus s'amasser dans les tribunes, les Ferrari vont tout tenter pour verrouiller cette première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Monza. Et on verra donc peut-être tout le monde avec des pneus super soft, puisqu'on sait qu'à l'habitude, eh bien Vettel aime bien tenter de partir en pneus un peu plus durs lors de la Q2 pour partir ensuite en course avec une stratégie avec un arrêt de moins. Les stratégies, justement, on en parle. Certains pilotes pensent à 3 arrêts. C'est ce qui ressort. Pour d'autres, eh bien, on pourrait tenter 2 arrêts en montant les pneus médiums, mais certains veulent tenter le coup avec 3 arrêts et ainsi faire 2 relais en pneus super soft et 2 relais en pneus soft, car les pneus médiums sont beaucoup trop lents et le manque de dégradation ici prouve qu'il ne faudrait peut-être pas prendre ces pneus là. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités. On a également une stratégie à 4 arrêts qui est disponible, et dans ce cas là eh bien, on chausserait 3 fois les pneus super soft. C'est en tout cas ce que veulent faire les plus petites équipes. La fin du chrono de Stoffel Vandoorne qui a glissé, désormais 3e puisque c'est pour l'instant Lewis Hamilton, le britannique, qui est le plus rapide. Et la fin du chrono, et c'est la 2e place pour Stoffel Vandoorne. Et on vous avait dit que les McLaren allaient être à leur affaire ce week-end et c'est le cas pour l'instant. Verdict donc de cette première séance qualificative avec la Williams de Felipe Massa qui se réveille. Valtteri Bottas est lui bien loin de son équipier. Félicitations à Julian Palmer qui a réussi à faire passer la Renault en Q2. Déception pour le néerlandais Max Verstappen qui partira demain 21e sur cette grille de départ puisqu'il y a eu un gros souci moteur sur la Red Bull. Deuxième séance qualificative. Cette fois-ci, il ne reste que 16 pilotes pour déterminer les 8 premières lignes de la grille. On n'en connaîtra que 4 puisque ensuite il faudra déterminer les dernières lors de la Q3 avec les 10 pilotes les plus véloces de cette séance-ci. Vous voyez
que pour bon nombre de pilotes, on est chaussé en pneus super soft, en tout cas vous le voyez avec Stoffel Vandoorne. Pour l'instant, devant lui, une Toro Rosso, les Toro Rosso qui font une saison absolument somptueuse. Cette année, la preuve encore une fois avec Daniil Kvyat qui s'empare provisoirement du record et donc de la pole, puisque on rappelle que les temps sont annulés et qu'on repartira pour une troisième séance, mais on va appeler ça la pole provisoire pour l'instant pour Daniil Kvyat, le jeune russe. Très vite, Lewis Hamilton reprend les rênes des opérations. On va attendre surtout la riposte des Ferrari, très véloce, hein, on le rappelle ici à Monza, galvanisé par leurs supporters. C'est plus qu'à la maison. Ici, on est vraiment dans le jardin de Ferrari, Grand Prix mythique, hein, qui est le Grand Prix de Monza, et qui devrait tenir toutes ses promesses normalement. Si eh bien, la météo est au beau fixe, on devrait voir de belles bagarres. La preuve avec Vettel qui, ah oui, on entend, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais dans notre cabine, nous on a eu la vibration de la tribune en entendant que Vettel s'emparait du meilleur temps. Rendez-vous compte, on n'est qu'en Q2. Et regardez le monde amassé dans les tribunes, c'est absolument somptueux. Allez, la fin du chrono pour Stoffel Vandoorne qui se place donc derrière Vettel et Hamilton. On va découvrir les résultats de cette deuxième séance avec donc les deux Ferrari les plus rapides pour le plus grand bonheur des tifosi. Les deux Williams se sont passés, mais petit cataclysme chez McLaren. On s'attendait à mettre les deux voitures en Q3. Malheureusement, Vandoorne sera le seul à défendre les couleurs de l'équipe britannique. Et derrière, eh bien, on a perdu les Force India, les Renault et autres voitures habituellement restées en Q2. Pas d'exploit pour ce week-end de Monza. La toute dernière séance du samedi avec la qualification qui déterminera donc les 5 premières lignes de la grille de départ. Ils sont 10 et pour l'instant c'est Vettel le plus rapide dans cette séance devant Nico Rosberg. On n'a pas encore de chrono pour Kimi Raikkonen, que l'on sait particulièrement à l'aise, un peu plus que Vettel d'ailleurs depuis le début du week-end. On va voir si les Ferrari peuvent faire quelque chose. On poursuit avec Stoffel Vandoorne dans son tour. Il est pour l'instant un dixième plus rapide que son temps personnel. Il est pour l'instant quatrième déjà. C'est une belle performance pour la McLaren qui devrait logiquement être désormais la troisième force de ce plateau de Formule 1 devant eh bien, Red Bull qui serait derrière. Ça risque d'être très tendu entre l'équipe britannique et les monoplaces autrichiennes. En tout cas, on poursuit dans le deuxième secteur. On vient de passer le deuxième. L'ESMO, la descente vers le freinage d'Ascari. Maintenant, on freine juste ici, voilà, sous le pont. Et 7 dixièmes de retard. Un deuxième secteur à oublier peut-être déjà pour Stoffel Vandoorne, avec en plus quelques survirages. Attention, alors que Nico Rosberg s'empare désormais du troisième temps, poussant Vandoorne derrière. Il est juste derrière, je crois, l'une des Williams. C'est Raikkonen, je vous le disais, qui vient de remettre les pendules à l'heure en 1.23. Oh, Stoffel Vandoorne qui est bien large là. Et ce tour-là va peut-être être annulé par la direction de course, on verra. En tout cas, voilà, Raikkonen qui, eh bien, pour l'instant, tient les rênes. Et on va découvrir le classement final de cette séance qualificative avec eh bien, une première ligne 100% rouge. Et ça fait plaisir pour les tifosi. Il y aura du monde demain sur les routes. Levez-vous tôt si vous venez à Monza devant les deux Mercedes. Et enfin, Vandoorne qui surpasse les deux Toro Rosso, les deux Williams. C'est la Red Bull de Daniel Ricciardo. Bonjour, c'est moi. J'ai vu ce que l'équipe attendait de vous. Je fais suivre et je vous souhaite bonne chance. Soyez prudents. Allez, les objectifs pour ce Grand Prix désormais en tant que premier pilote de la structure McLaren, nous devons terminer 5e devant Vettel et Fernando Alonso. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple en 1971, avec la domination de Peter Gettin sur Ronnie Peterson d'un centième de seconde. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965 et une pointe de Kimi Raikkonen à 370 km/h il y a tout juste 10 ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici, aujourd'hui. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h, peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de Formule 1. Les zones de freinage intense à l'entrée des trois chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Le virage 1 est très serré et la zone de freinage très grande. Les accidents ne sont pas rares lors du premier tour, Nicolas Martin. Comme vous l'avez dit, il y a de la place pour une voiture, pas plus. L'entrée de la chicane est relativement large. Donc au départ, on voit souvent des pilotes se présenter à deux ou trois de front dans la zone de freinage. Évidemment, ils veulent tous freiner tard pour prendre la tête et c'est pour ça qu'il y a souvent des contacts. Les pilotes les plus expérimentés resteront un peu en retrait ici pour profiter des erreurs des autres pilotes. Tu peux être roue dans roue en entrant dans le récif philo, mais ne freine pas trop tard avec ces pneus froids ou tu percuteras quelqu'un.
Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. C'est Kimi Raikkonen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Rosberg, une McLaren et Sainz, Ricciardo, Massa, Kvyat et Valtteri Bottas, Alonso, Perez, Julian Palmer et Hülkenberg, Magnussen, Grosjean, Esteban Gutiérrez et Felipe Nasser, Wehrlein et Ericsson, Max Verstappen et Rio Arianto complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Comment s'est passé le démarrage? Tu auras plus d'adhérence qu'au départ, mais il faut faire chauffer les pneus convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. Tension à son paroxysme ici à Monza, alors que le tour de formation vient de débuter. On sent qu'il y a une chaleur harassante au-dessus du temple de la vitesse italienne. On va donc vivre le tour de formation ensemble avec donc un petit point sur ce qui s'est passé donc en qualification. La première ligne 100% rouge, ça fera plaisir aux nombreux tifosi présents. La deuxième ligne 100% grise, ça fera plaisir aux supporters de Nico Rosberg, leader de ce championnat, pour quelques petits points devant Kimi Raikkonen. Rosberg n'a pas le droit à l'erreur, il ne doit pas laisser filer ni Rosberg ni Lewis Hamilton, sinon le championnat pourrait être totalement relancé. Pour l'en empêcher, il devra faire face à lui, face à Stoffel Vandoorne, notamment, et à Carlos Sainz, qui ont bien réussi leur séance qualificative. Un autre qui s'est bien illustré, c'est Julian Palmer, le pilote britannique, et sa Renault. Il partira 13e, ce qui est en soi une belle performance pour l'écurie qui a marqué son premier point à Spa-Francorchamps. C'était Manor justement à Spa avec un point, et ici peut-être de nouveau avec Pascal Wehrlein qui s'est bien qualifié, il est 19e. C'est des petites victoires pour le fond du peloton, mais c'est quand même pas mal. Il devance notamment Esteban Ocon qui partira dernier de ce Grand Prix, 22e. Le pilote français avec à ses côtés un néerlandais plutôt chaud bouillant, Max Verstappen, qui après avoir subi un problème moteur lors de la séance qualificative en Q1, devra remonter le peloton. Peut-être des éventuelles voitures de sécurité pourront l'aider. Alors que là, on est avec deux roues bloquées du côté de Stoffel Vandoorne. Ça va être compliqué de gérer une stratégie à trois arrêts. Certains top teams vont la tenter, cette stratégie, avec donc un train de pneus super soft, ensuite un train de soft, et terminer avec un train de medium, alors que d'autres sont sur trois, voire quatre arrêts. Alors que les dernières voitures sont dans la ligne droite, qui ramène à la parabolique. Les leaders sont quant à eux déjà placés sur les 2-3 même premières lignes de ce Grand Prix de Monza. On va essayer d'avoir un peu de calme avant la tempête, mais ça risque d'être compliqué puisqu'il y a du monde. Départ du Grand Prix de Monza face à des millions de tifosi déchaînés avec la première ligne 100% rouge. C'est dans quelques instants ici à Monza. Et c'est parti, on roule à Monza pour le 14e Grand Prix de la saison avec un mauvais envol derrière pour l'une des Toro Rosso. C'est bien parti pour Sébastien Vettel qui devrait prendre l'avantage sur Kimi Raikkonen. Attention, ça va être très serré, on est à 3 de front du côté du rectifilo. Ça passe bien, ça passe proprement pour tout le monde. Les pilotes sont très sages et par contre derrière, il y en a un qui a réussi son départ, c'est Nico Rosberg. Attention, Stoffel Vandoorne, deux roues dans l'herbe. On a vu derrière l'une des Force India également en contact avec les Williams. Devant, c'est déjà l'attaque entre les deux Ferrari. On va arriver sur la première vraie chicane ici. Et donc l'attaque de Vandoorne qui passe Lewis Hamilton et qui est également passé devant Nico Rosberg. Super départ de la part du pilote belge. Alors, on ne s'attendait pas à voir la McLaren à pareil fait, alors que derrière on voit Alonso en difficulté, en train de conserver les Renault. Palmer qui a complètement loupé son départ. Il est 16e, le pilote britannique. On est avec Rosberg, le leader du championnat, qui est déjà désormais à la chasse de Stoffel Vandoorne. On rappelle qu'il n'y a pas de DRS avant le troisième tour. L'attaque d'Hamilton à l'intérieur, peut-être au freinage d'Ascari. Est-ce que le britannique peut passer son équipier? C'est fait. Lewis Hamilton qui s'empare du troisième rang, alors que devant, les deux Ferrari sont déjà, regardés en train de filer l'écart entre les deux voitures du pays ici à Monza, qui est déjà important, avec Vandoorne donc troisième. Et finalement, c'est Kimi Raikkonen qui devrait boucler en tête le premier tour de ce Grand Prix de Monza devant Sébastien Vettel. La tribune est debout devant nous complètement. Et on serait en Allemagne, on aurait des pétards qui voleraient de partout. Bref, premier tour couvert avec l'attaque peut-être à l'aspiration de Lewis Hamilton qui devrait peut-être prendre la troisième place au niveau du rectifilo. Et c'est fait, Hamilton qui s'empare du troisième rang.
Mais l'écart avec les Ferrari est déjà très important. Belle passe d'armes entre la McLaren, Honda et les deux Mercedes. Ouais, l'aspiration peut-être. Et oui, elle n'a plus le même moteur qu'en début de saison. Cette McLaren va-t-il revenir, Van Dorn à l'extérieur? Pourquoi pas sur les Lewis Hamilton? Et ça ne passe pas. La résistance du champion du monde en titre. Et ça peut peut-être profiter à Rosberg qui là est en train de perdre au championnat. C'est le moins bien placé du trio de tête, on rappelle. Hein, 203 points pour Rosberg, 198 pour Raikkonen. Allez, avec Rosberg qui doit rapidement eh bien, attaquer Van Dorn et trouver la solution. Ça dérive pas mal pour le pilote belge qui a eu un peu de difficulté à la sortie du deuxième Lesmo. Peut-être au profit du pilote allemand qui prend l'aspiration. Et on sait que le moteur Mercedes fonctionne bien ici. Et ce ne sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être une bonne sortie du côté de la parabolique pourrait favoriser le pilote allemand. Attention, Van Dorn qui met pas mal de coups de volant. Attention également au changement de ligne. On ne peut pas changer plus de deux fois, on le rappelle dans le règlement. Et on freine en plein milieu de la trajectoire pour Van Dorn au niveau de la parabolique. Alors que derrière, on a vu que Daniel Ricciardo se faisait attaquer par les Williams. Je n'ai pas vu laquelle était-ce. Je pense que c'est Felipe Massa. Et non, c'est Valtteri Bottas qui est en train d'aller chercher Daniel Ricciardo. Ils sont côte à côte en passant sous notre cabine. Qui va avoir l'avantage normalement? Valtteri Bottas qui est à l'intérieur et qui va même passer alors que derrière Massa est en difficulté. Il doit résister à Sergio Perez. Et c'est fait, Valtteri Bottas qui s'empare d'une nouvelle position. La sixième pour la Williams. Allez, en caméra embarquée avec désormais le pilote septième. C'est l'Australien Ricciardo qui a beaucoup approuvé ici pour Red Bull. Et du côté de chez McLaren, on a une demande de changement d'arrêt. La stratégie qui devait passer. Oh, attention, le blocage de roue. Oui, parce que Van Dorn est allé mettre deux roues dans l'herbe là. Et tout profit pour Hamilton qui s'envole. Et oui, la Mercedes est bien plus rapide, on le savait. Mais là, peut-être qu'on est déjà en train de souffrir avec les pneus super soft pour le pilote belge. Il faut voir comment va évoluer le comportement de la monoplace. Vous voyez, beaucoup de survirages pour Van Dorn en sortie de virage. Est-ce que Nico Rosberg peut peut-être aller déjà à l'aspiration? Voilà, le DRS est ouvert sur la Mercedes. Chercher le pilote McLaren. Alors que derrière, il y a le retour de Ricciardo à l'extérieur sur Bottas. Et Ricciardo est passé avant même le freinage d'Ascari. Daniel Ricciardo a récupéré la sixième place à Valtteri Bottas. Ces deux-là ne se lâchent pas depuis l'extinction des feux. Et ici non plus avec peut-être l'attaque sur l'extérieur de Nico Rosberg. L'Allemand qui doit faire attention puisqu'il y a un championnat au bout. Ouais, Van Dorn qui résiste. Belle bagarre entre les deux hommes. On devrait bientôt assister aux arrêts au stand des pilotes en super soft. On a calculé 3 voire 4 tours et 2 retours. Et derrière, c'est Valtteri Bottas qui remet ça. Oh, et ça rentre déjà pour, je crois, serait-ce Felipe Massa ou une Force India. Je n'ai pas bien vu, mais ouais, on va même au-delà de la limite. Ouais, c'est, je crois, Nico Hülkenberg qui est allé dans la voie des stands. Premier à ravitailler avec ses pneus super soft. Allez, on retourne en caméra embarquée avec Stoffel Van Dorn qui est désormais 5e. Rosberg, 4e donc Van Dorn. Et vous l'entendez chez McLaren, on discute stratégie, le blocage de roue pour Van Dorn qui doit être dans l'un de ses derniers tours avec ce train de pneus puisqu'il est en train de les flinguer. Voilà la confirmation du passage par les box à l'issue de ce 4e tour pour Stoffel Van Dorn. Mais va-t-il résister à Nico Rosberg qui a déjà signé un tour dans le mauve à l'issue du premier secteur? Attention, Van Dorn qui s'est loupé à la sortie du deuxième Lesmo. L'ouverture du DRS pour Nico Rosberg. Va-t-il pouvoir passer le pilote allemand qui est dans l'aspiration de la McLaren? Il se décale. Rosberg va-t-il pouvoir passer à l'intérieur sur Van Dorn dans la parabolique? Il se touche. Et Rosberg dans le bac à gravier. La Mercedes qui est arrêtée. Et c'est terminé pour le leader du championnat. Drapeau jaune et voiture de sécurité virtuelle déployée. Ça va permettre au leader de rentrer. Mais alors là, la manœuvre est plus que discutable entre les deux hommes. Et oui, Virtual Safety Car désormais. La course est neutralisée. On va devoir passer par les boxes. Ça va être tout bénéfice pour les leaders. Est-ce que Van Dorn va rentrer? Oui. Alors y a-t-il des dégâts sur cette McLaren? Et pour Nico Rosberg, ça peut repartir. Il est reparti, le pilote allemand. Check my car. It touched me on the left side. Mais quel dommage pour Rosberg qui s'est précipité, perdant du temps derrière Van Dorn qui est aux boxes. Et là, on est prêt chez tout le monde. On a une Williams, on a une Red Bull. Et Hamilton qui était rentré, qui ressort. I'm just holding my line. I don't know why he pushed me like that. Oh là là, et ça va repartir très très loin pour ces pilotes. Et oui, on est 18e, on est en queue de peloton pour ceux qui ont opté pour un arrêt. Après, c'est un arrêt sous Virtual Safety Car. Donc, il y a eu peut-être un peu moins de temps de perdu. Et c'est pas mal pour ceux-là. À voir tous ceux qui vont maintenant eh bien, effectuer leur arrêt
sous régime de drapeau vert, ce qui est désormais le cas. Ici à Monza, on reprend un rythme de course avec toujours 22 voitures en piste. Nico Rosberg fait toujours partie de ce peloton. Van Dorn avec les pneus de soft neuf qui fait l'extérieur à Felipe Nasser. Et bien voilà, le Brésilien qui n'avait même pas son mot à dire sur cette bagarre en tête. Et bien, c'est toujours la Ferrari qui mène. C'est celle de Kimi Raikkonen qui n'a pas observé d'arrêt au stand pendant la Virtual Safety Car. Deuxième, désormais, c'est le pilote mexicain Sergio Pérez devant Felipe Massa. Ils se battent, eux, pour la deuxième place désormais, mais doivent encore rentrer. Massa qui était parti avec des pneus soft. Attention, il y a encore drapeau jaune dans ce secteur. Ça n'est pas sur notre écran de contrôle. Et quatrième place aussi pour Fernando Alonso. Attention, les McLaren sont en train de revenir. Oh là là, c'est la foire d'empoigne dans Ascari avec les deux Renault et une Sauber. C'est Marcus Ericsson qui est en train de résister aux deux machines françaises. Et Van Dorn derrière qui doit trouver l'ouverture pour peut-être effacer rapidement Magnussen. Oh, il est derrière Palmer, il n'y a pas la place. Oh, et Palmer à l'intérieur sur Ericsson. Oh, et le contact, et Palmer qui envoie Magnussen en tête à queue. Est-ce que c'est Ericsson ou Palmer qui a envoyé son équipier en tête à queue? C'était très serré. Ouais, ça ne rentre pas. Allez, Perez qui est au box. Ça devait être également le cas, je pense, de Felipe Massa. On passe devant les stands avec Van Dorn qui va aller chercher. Voilà, Palmer à l'intérieur et peut-être Ericsson dans le même temps. Alors que Van Dorn n'avait pas son DRS ouvert. Il a pu aller les chercher sans DRS, rien qu'à l'aspiration. Rendez-vous compte. Alors, qui est là? Ah, c'est Rosberg. Voilà, Rosberg qui repart avec des pneus soft. Ah, tiens, on aurait pu monter des pneus médiums sur la monoplace de l'Allemand. Ça l'aurait peut-être aidé à gagner un arrêt de moins s'il y avait sortie de voiture de sécurité. Mais ce n'est pas au programme pour l'instant. Du coup, remontée 11e rang pour Stoffel Van Dorn. La tête de course, du coup, eh bien, elle est pour Massa qui, contrairement à ce que je vous ai dit, n'a pas ravitaillé. Le Brésilien est désormais en tête devant Fernando Alonso et, je crois, eh bien, Max Verstappen qui serait 3e. On va vérifier ça. Ce que nous dit le transpondeur. Allez, on est avec Julian Palmer alors qu'il y a de nouveau drapeau jaune à l'ESMO. Que s'est-il passé? Oh oui, et Palmer qui percute le mur alors qu'un moteur cassé, semble-t-il. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour Palmer? Ah oui, c'était ça le drapeau jaune tout à l'heure, effectivement. On écoute. Oh, et Palmer qui a un problème de transmission, on dirait l'arrière de la voiture qui se bloque. Ouais, l'arrêt tout juste pour Daniil Kvyat. Ouais, en direct là avec Raikkonen qui attaque Hamilton. Les tifosi sont debout. Et oui, Raikkonen qui reprend la tête du Grand Prix à Lewis Hamilton. Et oui, Hamilton qui avait ravitaillé pendant la période de Virtual Safety Car, ce que n'avait pas fait Raikkonen. On a donc désormais une Mercedes intercalée entre les deux Ferrari, la seule Mercedes capable de ramener des points pour l'usine de Brackley. Et devant, il y a, je crois, Esteban Ocon qui est déjà en train de prendre un tour de retard. On n'a même pas fait 10 tours ici à Monza. On rappelle qu'il y en a 31 à effectuer. Et oui, effectivement, ce sont ceux qui viennent de ravitailler. Il y a Esteban Ocon, il y a Gutiérrez également. Et toujours drapeau jaune puisqu'il y a des débris dans cette descente. Mais Julian Palmer qui a eu sûrement un souci de pont arrière et la voiture qui a été rapidement évacuée. Alors, pont arrière, la transmission évidemment. Il n'y a pas de pont sur des Formule 1, je ne vais pas dire de bêtises non plus, mais sans doute un problème de transmission pour la Renault qui a cassé son moteur, assez incroyable. Il a peut-être aussi glissé sur lui, on n'en sait pas plus, donc pour l'instant, eh bien, il ne reste que 17 dans les 27 tours à couvrir dans ce Grand Prix d'Italie. Et en tête, eh bien, on a donc les Ferrari. Virtuellement avec Raikkonen devant Hamilton et Vettel un peu plus loin. Alors que là ça ralentit beaucoup devant pour l'une des Ferrari et d'une Mercedes. Est-ce que ce serait pas encore une voiture retardataire qui aurait posé des problèmes? On vérifiera ça après. Allez, on est avec Romain Grosjean à la bagarre avec Fernando Alonso. Romain Grosjean qui est très bien placé pour l'instant dans ce classement, puisqu'il fait partie des pilotes qui n'ont pas encore ravitaillé, puisqu'il est en pneu soft, tout comme eh bien, Fernando Alonso. Mais derrière, regardez, ça c'est la tête de course. Hein. Rendez-vous compte, Hülkenberg, Alonso et Grosjean, c'est le trio de tête hein, pour l'heure. Parce qu'ils n'ont pas encore ravitaillé, mais ça ne devrait tarder puisque reviennent comme des boulets de canon. Voilà, Raikkonen, attention parce que là, Hamilton qui doit faire l'extérieur à Ocon, qui ne doit pas s'écarter. Il court contre eux, hein. Il n'est pas en train de prendre un tour de retard. Oh, et Vettel qui doit passer sur la voiture du pilote français, qui résiste. Ouais, c'est peut-être la passe d'armes de son année au pilote français. Et bien voilà. Et derrière on a je crois Stoffel Van Dorn qui revient avec Valtteri Bottas sur la Manor. Oh, la Manor qui gêne un petit peu quand même.
mais qui est dans son tour. On ne peut pas lui reprocher de défendre sa position. Elle fait la course avec ces voitures-là. Allez, on est avec Vendôme qui conclut le 8e tour. Va-t-il pouvoir aller chercher Sébastien Vettel? Ça paraît un peu limite ici. Non. Et donc le classement désormais qui évolue avec Raikkonen virtuellement en tête devant Hamilton, Vettel, Van Dorn et Bottas. Ce serait notre top 5 une fois qu'auront ravitaillé eh bien, Romain Grosjean et Fernando Alonso. Est-ce que Van Dorn pourrait aller chercher Sébastien Vettel? En tout cas, il est rapide le pilote belge en entrant le meilleur premier secteur de ce Grand Prix d'Italie. Vous entendez, hein? Dès qu'une Ferrari passe, le sol tremble ici à Monza. Et on est en passe d'avoir peut-être une victoire Ferrari à Monza, ce qui n'est plus arrivé depuis très longtemps. Pour moi, it's not even possible to do it with two stops. Just impossible. Et vous voyez, vous entendez que ça continue de parler stratégie. Allez, avec Stoffel Vendôme en caméra embarquée dans la parabolique à la chasse de Vettel et Alonso qui mène toujours ce Grand Prix, rendez-vous compte. Le pilote espagnol en tête. Je crois que c'est la deuxième fois cette saison qu'un pilote espagnol mène après Carlos Sainz en Hongrie. Et bien, c'est désormais au tour de Fernando Alonso de mener son Grand Prix et du coup... Eh bien, les améliorations moteurs pour Spa et Monza font peut-être un effet psychologique à Fernando Alonso qui, on vous le rappelle, depuis le Grand Prix de Belgique est désormais recalé au rang de second pilote derrière Stoffel Vendôme, quatrième du championnat. Le voilà, Alonso, peut-être que c'est le déclic qu'il fallait au double champion du monde pour se réveiller. McLaren que l'on espère l'année prochaine en lutte avec une voiture qui devrait eh bien, valoir ce que donnent actuellement les Mercedes, les Ferrari et les Red Bull. Et on espère un retour aux avant-postes du pilote espagnol avec pourquoi pas ici une potentielle, on va pas dire victoire, mais un potentiel podium. Allez, Hamilton, la lutte avec Raikkonen. Avec Vettel, pardon. Raikkonen étant déjà lui bien loin devant. On constatera des dégâts sur l'élan arrière de la voiture d'Hamilton. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais allez, sur la partie gauche, il y a un petit peu de carbone qui manque. C'est pas la première fois cette saison qu'on voit des voitures avec des dégâts à ce niveau-là. Alors, l'attaque à l'aspiration, et on a désormais un duo de Ferrari en tête ici, à moins qu'Hamilton puisse résister, revenir dans le rectifilo. Non, je crois que ça ne passera pas. Ah, quoique ! Eh si, Hamilton est devant ! Bon, Hamilton qui eh bien, a poussé Vettel sur la partie large de la piste, et voilà, désormais il garde sa position. Mais ça n'est pas terminé, on va voir dans le rectifilo si ça peut changer. Au tour suivant, c'est un des rares points où on peut dépasser puisqu'ici, voilà, la Riente de la Roggia, ça ne peut pas bouger dans cette chicane-ci. Peut-être au freinage d'Ascari, on va suivre cette bagarre attentivement. Là, on joue le doublé hein, pour Ferrari, ce serait un nouveau doublé cette saison. Avant de partir du côté de Singapour. Avec le DRS ouvert, Raikkonen bien en tête. Il vient de passer le deuxième secteur en gagnant encore du temps sur ces deux-là qui se battent. Et Vettel au freinage d'Ascari. Ils sont côte à côté, ça passe. Avec un petit peu d'aide de Lewis Hamilton qui s'est dit « Bon, je vais quand même pas aller gâcher mes chances de revenir au championnat, surtout après ce qui s'est passé avec, avec Nico Rosberg. » La vue d'hélicoptère qui nous offre la McLaren, vue du dessus dans cette immense parabolique. Et cette interminable ligne droite où on atteint plus de 350 km/h. Le voilà, Stoffel Vendôme. Toujours la tête, hein, il n'a pas arrêté sa voiture au box. Notre ami Alonso a peut-être gagné un arrêt. Alors que du côté de Vendôme, les pneus arrière sont bien entamés. On retourne un peu plus loin dans le peloton, alors que ça rentre pour notamment une Sauber. On a ici le leader du championnat. Pas à l'écran, mais dans le cadre avec Rosberg qui va se faire attaquer par Nico Hülkenberg. Alors, est-ce que ça passe, les deux Allemands? Ouais, Hülkenberg à l'extérieur. Ouais, qui est bien passé. Ouais, ils vont être côte à côte avant la deuxième chicane. Et non, c'est passé. Rosberg qui doit perdre du temps avec une voiture abîmée. Après être passé dans le gravier, peut-être dans les écopes de frein du gravier, c'est toujours très dangereux. On ne l'a pas arrêté parce qu'il y a peut-être des points qui pourront être décisifs en fin de saison qui peuvent être pris par le pilote de la voiture numéro 6. Ouais, attention, regardez Rosberg qui perd du temps derrière. On l'a vu disparaître dans les virages lents sur les freinages, peut-être du gravier, je vous le disais.
Et bien voilà, c'est tout bénéfice pour Nico Hülkenberg. Vandoorne, 5e devant Felipe Massa et derrière Vettel, toujours à l'explication avec Lewis Hamilton. Et un Fernando Alonso plus que maître de la situation. Et Alonso qui vient de couvrir un nouveau tour en tête, incroyable. Allez, du côté d'Ascari, là on a Rosberg qui perd encore une position. Ouais, c'est la descente aux enfers pour le pilote allemand. C'est désormais Max Verstappen qui l'a dépassé. Le Néerlandais qui continue de remonter. Avec derrière, eh bien voilà. Je crois que c'est Esteban Gutiérrez qui va tenter sa chance. Ou Romain Grosjean. Ouais, le blocage de roue pour Rosberg qui a vraiment un problème de frein sur cette Mercedes. Il y a un problème de frein. Depuis... l'accrochage, et regardez Romain Grosjean qui va regarder sans aucune difficulté avec le DRS prendre une position à Nico Rosberg. C'est assez incroyable là, la Mercedes qui perd plus d'une demi-seconde au tour par rapport aux voitures qui l'entourent. Eh oui, c'est dommage, mais c'est le jeu. Alors là, pour Stoffel Vandoorne, la situation est plus que critique sur les pneus arrière. Il y a quasiment 60% d'usure. L'arrêt pour la voiture de Felipe Nasser. Le Brésilien qui repart chaussé de pneus soft après un train de pneus médium qui l'avait emmené depuis les premiers tours de roue. Donc pour cela, on pourrait se diriger vers une course à 3 arrêts. Mais avec des pneus médium. Alors, Stoffel Vandoorne qui est ici avec des pneus bien usés. Et qui va rentrer à l'issue de ce tour de course. Ça y est, Nico Rosberg s'est fait dépasser par Romain Grosjean, mais il arrive à tenir la monoplace américaine à portée de tir, avec peut-être un retour grâce au DRS, mais on sent un manque de confiance du pilote allemand sur les freins notamment. On va voir ça avec le freinage du bout de ligne droite. Allez, le retour peut-être avec l'aide du DRS, et non, l'arrêt plutôt pour Nico Rosberg. Va-t-on en profiter pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à l'arrière de cette Mercedes. Et on repart en pneus soft. Donc il y aura encore un arrêt peut-être pour des ultra soft, des super soft pardon, pour Nico Rosberg. On est prêt également, on vient de faire un arrêt du côté de chez McLaren. C'est Stoffel Vandoorne, voilà, qui repart avec lui en train de soft également. Eh bien on devrait de nouveau, oh, attention sur les vibreurs. On devrait assister à désormais un nouvel arrêt. Alors que là, on était en 15e place avec eh bien, un beau Grand Prix pour l'instant pour Esteban Ocon, le Français, qui se retrouve aux prises avec les Toro Rosso. Tu es plus rapide que la voiture de devant dans le secteur 1, profite-en pour la dépasser. Vandoorne qui a du mal depuis sa sortie des box avec une voiture qui sautille beaucoup sur les vibreurs et sur les gendarmes couchés. Ces boudins qui entourent les vibreurs pour éviter aux pilotes de couper de manière trop régulière. On a passé le cap de la mi-course dans ce Grand Prix d'Italie avec des composantes de pneus différentes. Vous voyez donc Raikkonen en tête en pneu médium. Et ici, eh bien, 13e place pour Stoffel Vandoorne alors qu'il se battait pour le top 5. On a peut-être fait une erreur niveau stratégique chez McLaren. Chez Mercedes, on sait ce que l'on fait puisque désormais Hamilton repart en pneu soft. Et même stratégie pour la Ferrari. Donc on se calque chez Vettel sur ce que décide de faire Lewis Hamilton puisque c'est contre lui que l'on roule aujourd'hui du côté de Maranello. Rosberg qui, heureusement, serait-on tenté de dire, vient de dépasser Ericsson avec la Sauber. Allez, en tête avec le leader qui va observer son troisième, je crois, arrêt au box. C'est son deuxième pour Raikkonen. Oui, effectivement, parce qu'il était reparti en pneu médium, contrairement à ceux qui étaient partis en soft. Et on lui monte des softs. Eh bien, ça devrait aller au bout, je crois, pour Kimi Raikkonen. Parce que là, oui, les pneus softs peuvent tenir la distance restante. On va voir, on va ressortir le pilote finlandais. Eh bien, il va ressortir juste devant Fernando Alonso, qui est deuxième de ce Grand Prix. La voiture de devant a des dégâts mineurs sur son aileron avant.
Et on informe Stoffel Van Dorn de dégâts du côté de la voiture de Esteban Gutiérrez. Alors que derrière, Verstappen s'empare du 13e rang à même le transpondeur. Il vient de dépasser devant nous. Il est à la lutte avec Esteban Ocon, le français. Sainz désormais, ouais, ils sont très chauds les trois. Et bien voilà, il suffisait de dire Sainz avec Ocon. Et Ocon qui passe, Ocon qui s'empare de la 13e place. Et oui, Sainz qui était mieux sorti du rectifilo, mais c'est désormais le français qui fait un Grand Prix tonitruant. Incroyable ce que réalise Van Dorn avec la McLaren pour l'instant. Il arrive à se retrouver en lutte avec des manors qui sont en bonne forme. Rendez-vous compte, il y a eu un problème de stratégie chez McLaren. C'est pas possible de retrouver si loin dans le classement à ce stade-ci la McLaren. On s'est fourvoyé dans le nombre d'arrêts peut-être. On voulait tout simplement ne pas prendre de risques. On ne met pas ses œufs dans le même panier avec devant, eh bien, un Alonso qui a peut-être effectué un Grand Prix différent à la demande de l'équipe ou du pilote, puisqu'on sait que le deuxième pilote, on fait un peu le porteur d'eau pour le leader, mais cette fois-ci, eh bien, c'est pour la première fois de la saison vraiment Alonso qui est devant. Pas de pluie au programme pour Van Dorn. Voilà, Alonso qui est désormais, donc je vous le disais, deuxième de ce Grand Prix d'Italie en lutte avec Kimi Raikkonen. Mais Alonso serait sur une stratégie à deux arrêts, donc peut-être c'est jouable. Et si c'est le cas, eh bien, ça permettrait au pilote espagnol de remporter, pourquoi pas, son premier Grand Prix. Soyons fous, avec pourquoi pas l'aide d'une voiture de sécurité. Mais pour l'instant, il est deuxième derrière. Raikkonen est à la régulière. Donc il prive la Scuderia Ferrari d'un doublé. Mais va-t-il, alors là, s'il va réussir à aller priver l'équipe italienne d'une victoire à domicile, ce serait pire que tout, puisqu'on rappelle que sous l'ère Ferrari, Alonso eh bien, a été passé de nombreuses fois à côté du titre, notamment en 2010 et 2012. Oui, pourquoi pas penser qu'une McLaren pourrait remporter également un Grand Prix avec autre chose qu'un pilote belge à son volant. On le souhaite en tout cas à Alonso qui eh bien, accumule les déboires cette saison, alors que son équipier a lui toute la réussite derrière lui. On est 9e du côté de Van Dorn désormais, avec deux voitures devant qui sont plus que rattrapables, avec Perez et une Haas qui est, je crois, Romain Grosjean. Le DRS dans la partie qui ramène vers le freinage d'Ascari pour le pilote belge. Retard avec la voiture qui nous précède est de 0,7 secondes. Oh, il est bien ressorti de la chicane ici, Van Dorn. Et Perez qui est en lutte avec, non, Gutiérrez. Esteban Gutiérrez qui est bien placé. Alors, où est Romain Grosjean qui a disparu de nos tableaux? Alors, les trois vont arriver ensemble devant nous, mais deux vont rentrer. Alors, l'arrêt pour Daniel Ricciardo, le pilote australien. Et que va-t-on monter à Perez? Normalement, des softs qui devraient l'emmener au bout, c'est le cas. On vient de monter des softs également à Valtteri Bottas. Et non, on lui remet des médiums. Tiens, des médiums pour Sergio Perez. Intéressant, alors que Massa est désormais cinquième de ce Grand Prix d'Italie. Allez, l'arrêt pour Esteban Ocon, qui prend des pneus médiums et qui ira sans doute au bout de cette manche italienne. Les pneus tendres usés. Notre avance sur la voiture de derrière est de 4,9 secondes. Ils ont de nouvelles gommes médiums. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 3 tours. La fenêtre ouvre dans 3 tours. Plus que 10 tours restants. Oh, et Alonso qui va peut-être prendre la tête du Grand Prix. Incroyable ce qu'est en train de faire Alonso à la sortie de Ascari, et c'est fait. Attention, parce que Raikkonen n'a pas non plus dit son dernier mot. Oh là là, Raikkonen qui va réattaquer à la parabolique. Alonso, il se touche. Et au chausse-pied, Raikkonen reprend la tête du Grand Prix d'Italie. Mais qui va avoir le DRS? Je pense que c'est Kimi Raikkonen. Et non, c'est Alonso qui va l'avoir. Et oui, avec le DRS, Raikkonen peut se défendre face à l'Espagnol. Mais Alonso aurait quasiment mené un tour et c'est pas terminé. Troisième pour l'instant, c'est Lewis Hamilton devant. Et bien, la lutte qui oppose Massa et Van Dorn derrière. On a une lutte incroyable avec le pilote espagnol qui pourrait remporter son premier Grand Prix. On arrive dans la variante numéro 2. Le rythme d'Alonso est absolument incroyable, alors que derrière c'est un peu plus difficile pour Van Dorn, qui fait quand même un beau Grand Prix, 5e malgré tout, mais qui devra encore observer un arrêt. Et l'arrêt de Van Dorn qui devrait être décisif, puisqu'il sera chaussé de pneus
super tendre, alors qu'autour de lui, bon nombre des voitures seront en piste équipées de pneus médium. Donc la différence au tour sera de quasiment une seconde. On a hâte de voir ce que va faire le pilote belge, mais on suit attentivement. Voilà Fernando Alonso, qui est peut-être en passe de gagner, lui, son premier Grand Prix cette année. Face à Raikkonen, ce serait une catastrophe hein, pour les tifosi après la première ligne 100% rouge d'hier. Et regardez, les quatre premiers dans la même image. Raikkonen, Alonso, Hamilton et Vettel, ils sont là, les quatre premiers pilotes de ce Grand Prix. À moins de 10 tours de l'arrivée, on devrait observer une lutte entre les deux hommes de tête avec de nouveau le DRS ouvert pour Alonso qui va ne pas pouvoir attaquer mais se rapprocher du Finlandais. Hallucinant ce qui est en train de se passer ici à Monza avec un Alonso qui tente la stratégie à deux arrêts et pour l'instant, eh bien ses pneus ne s'effondrent pas. Et imaginez ce qu'aurait pu faire Stoffel Vandoorne si seulement il avait pu également ramener une stratégie à deux arrêts. Arrêt au stand pour le pilote belge à la fin de ce 20e tour de course alors que la messe semble dite derrière. On n'a plus trop de lutte dans le top 10 devant la première partie du peloton est bien indécise avec le top 3 qui devra se décider dans les prochains tours de ce Grand Prix. Il faudrait aller voir ce qui se passe. Voilà avec Alonso qui va de nouveau profiter du DRS à la sortie de l'ESMO 2. Voilà. Est-ce qu'Alonso ne serait pas en train d'aller nous faire l'exploit de l'année? Rappel hein, pour Van Dorn avec la victoire notamment en Autriche. Première victoire de la nouvelle ère McLaren Honda. Depuis 1992 avec Ayrton Senna et Gerhard Berger, McLaren Honda qui revient donc aux affaires, peut-être pour l'année prochaine avec le même duo de pilotes qui pourrait donner une lutte assez intéressante. 50% d'usure sur le train arrière de Van Dorn. Il est temps d'observer le dernier arrêt du Grand Prix pour le Belge, ce sera son troisième. La pit lane qui semble prête. On a vu les mécaniciens sortir du box il y a quelques secondes. Voilà. Ouais, Van Dorn qui glisse. Il était temps. Attention à ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Et c'est quasiment parfait. Alors que derrière, il y a Romain Grosjean qui s'explique avec une Red Bull. Qui est, je pense, voilà, Max Verstappen qui va s'arrêter. Verstappen. Allez, Van Dorn qui doit une dernière fois patienter quelques secondes. 2 secondes 4 exactement. C'est fait. Sortie des box pour le pilote belge avec des pneus super soft désormais. Alors que devant, on a vu passer Hülkenberg, on a vu passer Verstappen à la bagarre avec Romain Grosjean. Ah, c'est pas fini! Et derrière, Bottas. Voilà, Van Dorn qui ressort juste devant, je crois, Nico Hülkenberg. Attention parce que ces trois-ci sont à la lutte. Et il y a des compositions de pneus différentes chaussées sur ces monoplaces. On a vu des pneus médiums pour les autres. Et ici on est par contre avec des pneus durs pour tout le monde. Alors qui a les plus frais? On a vu que ça bloquait les roues hein, du côté de la Haas. Et voilà, on retrouve Stoffel Vandoorne devant Sergio Perez. Hülkenberg qui est en train de marquer de gros points pour Force India, qui en a bien besoin dans cette deuxième partie de saison difficile pour les monoplaces indiennes. Alors que devant, ça y est, l'attaque pour Romain Grosjean qui passe, et également pour Valtteri Bottas qui s'infiltre. Est-ce que le Finlandais peut compléter son dépassement sur la monoplace autrichienne? C'est fait. Et deux positions de perdu pour la monoplace Red Bull. On retourne avec Van Dorn au-delà du top 10. Il va encore y avoir des arrêts pour certains. Si pas, ça peut être une catastrophe hein, pour Van Dorn qui va se faire battre et par son équipier Fernando Alonso et par Sébastien Vettel. L'arrêt de Nico Rosberg dans ce Grand Prix, le dernier. Allez, on repart avec des super soft histoire d'aller au bout. Tranquillement pour la voiture numéro 6 qui repartira. Et notamment derrière Van Dorn et Ricciardo. Je pense que pour Rosberg, on sera aux alentours du top 15. Et derrière notamment un certain Esteban Ocon, 14e pour l'instant. Mais en lutte, ça n'est pas terminé. Il faudra faire le décompte aussi du côté de chez Manor Racing en tête. On a donc eh bien désormais Kimi Raikkonen avec à ses trousses un Espagnol décidé à pourquoi pas saisir l'une de ses rares chances cette saison pour remporter un Grand Prix. Là, il y a deux pilotes qui jouent beaucoup. Raikkonen pourrait reprendre plus que probablement un certain avantage au championnat des pilotes face à Rosberg qui ne marquerait pas de points aujourd'hui. Ça le remettrait normalement 21 points devant l'Allemand. Hamilton pourrait également faire un joli coup. Et l'arrêt! L'arrêt de Fernando Alonso. On va le suivre, bien évidemment, ce pit stop pour
L'Espagnol, ça rentre derrière également pour Vettel et pour Hamilton. Et tout le monde est en super soft là. On a vu les pneus. Alonso va également chausser ces gommes-là. On était donc sur deux arrêts pour le pilote espagnol et trois pour les autres. Puisqu'il était parti en pneus médium, il a chaussé, je pense, voilà, des pneus médium en étant parti en, voilà, en soft. Et maintenant, les super soft. Alors, on a donc deux McLaren en super soft. Le top 10 pour Van Dorn désormais. Et il y a encore des positions qui devraient sauter pour le pilote belge en accrochant devant. Et le record du tour pour Van Dorn en 1:24.196. Bien joué dans sa lutte avec Vettel. Ça pourrait être quelque chose qui ferait bien pencher la balance. Devant, on perd beaucoup de temps en pneus durs pour Verstappen qui a quand même réussi à se hisser dans les points. Hein. Il partait 21e, le néerlandais. On devrait éviter la pluie, mais si un fourrage apparaît, on te le dira. Et on confirme que l'on terminera sans pluie ce Grand Prix d'Italie. 4 tours. 4 tours désormais pour déterminer si Raikkonen va libérer les tifosi. Oh, le blocage de roue pour Stoffel Vandoorne qui se retrouve avec une voiture plus véloce qu'il y a quelques tours, bien légère. Il va falloir maintenant aller chercher ce Max Verstappen s'il veut aller chercher au moins une potentielle 8e position à l'issue de ce Grand Prix. Il y a du monde devant pour Vandoorne. Allez, le DRS peut-être, la libération pour le pilote belge. Voilà Vandoorne qui a également une opportunité sur Verstappen. Voilà Verstappen qui a le DRS mais qui n'en profite pas. Et Vandoorne qui va également doubler Grosjean. Voilà le double dépassement du pilote belge qui s'empare du 8e rang à 4 tours de la fin de ce Grand Prix. Et drapeau jaune derrière puisqu'on a eu un freinage un peu loupé pour Verstappen qui est allé mettre un peu de gravier sur la piste, ce qui explique ce drapeau jaune. Et les 3 derniers tours qui sont au bout. Voilà Verstappen qui repasse Romain Grosjean. Oh, et qui va aller bien protéger. Cette explication entre les deux pilotes, alors que derrière on a une autre Red Bull, c'est Ricardo qui s'explique avec Rosberg. Voilà. Why are you losing time telling me what Alonso is doing? Just tell me something about my strategy, not his. Allez, il nous reste moins de 4 boucles dans ce Grand Prix d'Italie. On saura le nom du vainqueur et qui peut nous le donner pour l'instant. Eh bien, bien malin, car c'est entre Alonso et Raikkonen que ça se joue. Il y a moins d'une seconde entre les deux voitures et on est chaussé de pneus super soft pour Alonso puisque Raikkonen doit désormais au prochain tour observer un arrêt au stand. Il lui en manque un, Raikkonen, s'il veut aller au bout. Drapeau jaune de notre côté sur la première chicane. Une voiture est sortie dans le rectifilo et c'était un tout droit pour Esteban Ocon. Aïe, 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 le français qui s'est loupé. On ne l'a pas vu, on le reverra peut-être en replay. Attention, nouvelle charge de Van Dorn sur Valtteri Bottas pour la 7ème place du Grand Prix d'Italie. Et aucune résistance pour le Finlandais. Et ça passe pour la McLaren. 7ème désormais derrière Nico Hülkenberg. Alors va-t-il pouvoir aller chercher le pilote allemand avant la fin du Grand Prix? Rien n'est moins sûr. Par contre, derrière maintenant, Valtteri Bottas va pouvoir profiter des bienfaits du DRS. Le retour peut-être de la monoplace aux couleurs rouge et blanche. Eh oui, Bottas qui fait parler le DRS, l'attaque de Van Dorn qui change de ligne, le blocage des roues sur la McLaren qui reste devant. Oh, ça c'est un freinage qui va peut-être rendre les roues de la McLaren carrées. Alors que derrière c'est la foire d'empoigne avec, je crois, Esteban Gutiérrez qui s'explique avec une des Force India. Allez, le retour peut-être pour Valtteri Bottas dans ses dernières boucles. Oh, le freinage un peu loupé pour Van Dorn. Eh, il n'en faut pas plus à ce stade-ci, même si là, l'avantage est au pneu pour le pilote belge, qui est en pneu super soft sur cette McLaren. On attend l'arrivée du Grand Prix avec désormais un Kimi Raikkonen bien installé en tête. Va-t-il arriver au bout et remporter ce Grand Prix d'Italie pour la Scuderia et libérer ainsi les milliers, les millions même de tifosi amassés dans les tribunes et devant leur écran de télévision? On va voir ça d'ici quelques tours. Désormais, les Ferrari sont bien en tête. Ils passent devant nous, Raikkonen, voilà. Un tour de moins encore, on décompte chez Ferrari, on doit avoir les doigts croisés du côté de Maurizio Arrivabene et du banc de touche. On a Marchionne qui est là, mais regardez ce qui se passe en tête puisque Raikkonen qui n'a pas ravitaillé est désormais attaqué par Fernando Alonso qui va être gêné par la Toro Rosso. Qui est-ce cette Toro Rosso? Je crois bien que c'est Carlos Sainz Jr. effectivement. Non, c'est Daniil Kvyat qui sortait des box. Attention, il a perdu du temps Alonso et peut-être même le Grand Prix d'Italie. Ça va être très serré. Derrière, il y a Lewis Hamilton qui revient.
La lutte est belle pour la victoire ici en Italie. C'est une des luttes les plus intenses que l'on a eues depuis longtemps. Avec peut-être un Grand Prix d'Autriche qui était aussi indécis. Et Monaco avec Rosberg. Rosberg qui ici va peut-être pouvoir ramener le point de la 10e place. On vous tiendra au courant évidemment une fois le drapeau à damier agité. Mais pour l'instant, qui va remporter ce Grand Prix ? Raikkonen après être arrêté, monter des pneus super soft ou eh bien Alonso avec des pneus un peu plus chauds mais un peu plus usés. On est avec désormais Van Dorn qui s'est emparé de la 6e place de Nico Hülkenberg. 6e place pour Stoffel. Van Dorn qui va sauver les meubles chez McLaren. Mais va-t-on avoir Alonso sur le podium et sur quelle marche surtout? Il va rester moins de deux tours peut-être. On aimerait bien voir ce qui se passe en tête avec voilà Vettel qui revient aussi sur Hamilton. Voilà, il y a les deux hommes de tête dans l'image que vous avez depuis l'hélicoptère ici avec Van Dorn qui revient, on le voit très très fort revenir sur le top 5 mais ça semble être terminé. À l'image c'est eh bien Fernando Alonso qui va profiter du DRS, voilà, attention, est-ce que Van Dorn va s'emparer de la tête du Grand Prix d'Italie? Il déboîte, va-t-il attaquer Kimi Raikkonen au freinage du rectifilo? Alonso à l'intérieur, est-ce que ça passe pour l'Espagnol? Résistance de Raikkonen. Et c'est fait, Alonso est en tête du Grand Prix d'Italie à l'entame de l'avant-dernier tour. Incroyable ce qui est en train de se passer ici. Et est-ce que l'aspiration et le moteur de la Ferrari va faire la différence face à la voiture d'Alonso? L'attaque peut-être de Raikkonen qui ne prend pas de risque ici. Et on est dans le dernier tour du Grand Prix d'Italie. Va-t-on voir Alonso remporter ce Grand Prix absolument incroyable? Et derrière, il y a la voiture de Kvyat qui fait écran face à Lewis Hamilton qui sera plus que probablement troisième. Attention, dernière opportunité si on veut une victoire Ferrari à la maison. Le DRS, est-ce que Raikkonen va attaquer? Il prend l'extérieur sur Alonso, il va arriver côte à côte au freinage d'Ascari. Et pas besoin d'attendre le freinage. Récupération de la tête du Grand Prix à trois virages de la fin pour Raikkonen. Superbe, superbe manœuvre du Finlandais qui va sans doute aller remporter ce Grand Prix. La tribune est en liesse devant nous. Il y a des drapeaux qui volent de tous les côtés. Est-ce que ça va le faire? Dernier freinage. Et s'il sort en tête de la parabolique, ce sera course gagnée pour Kimi Raikkonen. Alonso aura tout tenté. Ce sera le podium pour la McLaren. Victoire de Kimi Raikkonen ici à Monza. Superbe résultat pour le Finlandais devant Alonso. Lewis Hamilton qui complète le podium. Et attention parce que c'est pas terminé derrière pour la 6e place. Bottas qui revient sur Van Dorn. Et Van Dorn qui peut conserver l'avantage à la sortie de la parabolique, mais c'était également très serré pour la 6e position. Voilà, c'est terminé. J'espère qu'on fera mieux lors de la prochaine course. Ce n'était pas notre meilleur jour. Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course avait une toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du plateau. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes font leur apparition et nous apercevons l'emblématique tenue rouge se hisser sur la plus haute marche du podium. C'est une très belle victoire pour Ferrari. Et voilà, il est désormais temps de refermer le chapitre européen de cette saison 2016 de Formule 1 avec la victoire donc de Kimi Raikkonen devant Fernando Alonso. Nico Rosberg terminera donc 9e ce Grand Prix, sauvant un petit peu les meubles. Désillusion pour Max Verstappen qui a pendant un instant été au 9e rang de ce Grand Prix. Il partait 21e. Voilà ce qu'il y aura à retenir de ce Grand Prix. La 2e place de Fernando Alonso qui remet un peu les pendules à l'heure chez McLaren Honda. Il partait 11e et avec une stratégie à deux arrêts, il a été le plus performant, tout comme Felipe Massa. Belle prestation d'Esteban Ocon qui termine malgré tout à une belle 16e place et son équipier Verlaine 18e. Au classement général, gros changement puisque c'est désormais le Finlandais qui mène les opérations devant les deux Mercedes avec 18 points d'avance. Hamilton et Rosberg sont parfaitement à égalité devant Van Dorn qui ne peut plus quasiment être champion. Ce serait vraiment de la folie si le Belge allait nous chercher ce titre. En attendant, eh bien on va
refermer ce chapitre européen. Le classement constructeur, vous voyez, ça ne bouge pas, si ce n'est que Red Bull, eh bien, perd désormais quelques unités sur McLaren. Et eh bien, si le réveil de McLaren se confirme, on vous donne rendez-vous du côté de Singapour pour un Grand Prix de nuit qui s'annonce plus que pluvieux. Il y aura de l'action en piste et rendez-vous donc du côté de Marina Bay pour vivre eh bien, une course tonitruante. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis et à la prochaine. Salut !